Le fils organise une collecte de jouets. Il paraît qu'ils ont besoin d'aide. Alors, boss, c'est quoi le plan? La famille de Finn a un atelier de réparation dans le centre. C'est là-bas qu'elle faisait tous ses bricolages. Avec un peu de chance, elle y va encore. Ce serait pas plus simple de l'appeler pour lui parler? Franchement, je pense pas. Quand je l'ai vu sur le pont, c'était quelqu'un d'autre. Il faut que je sache pourquoi elle fait tout ça. Ok, fais ce que t'as à faire. Tiens-moi au courant. Non mais c'est une blague ou quoi? On va pas affronter Spider-Man pour qu'on bricole! Facilite les affreux! À nous tous, on l'aura! Essaye d'éviter ça! Occupe-toi de tes oignons, calme-toi! Et que je ne vous reprenne pas à cambrioler des maisons. Ouais, ça sonnait pas trop mal. Et voilà, c'est reparti. Une catastrophe s'est abattue sur la ville. Des explosions, un pont qui s'effondre, une fusillade en pleine heure de pointe. Qu'il soit loué, il n'y a pas eu de mort. Mais nous aurons peut-être moins de chance la prochaine fois. Et si cette attaque avait eu lieu quelques jours plus tard, pendant la soi-disant tempête du siècle, dont le journal de 5 heures ne cesse de nous rebattre les oreilles, ça aurait été la panique la plus totale. Beaucoup sont pointés du doigt, notamment ces voyous de l'Underground. Néanmoins, il est de mon devoir de vous préciser que l'attaque de l'Underground visait uniquement une voiture blindée, jusqu'à ce que le petit morveux de stagiaire de Spider-Man décide de gérer la situation tout seul. Et que s'est-il passé? Il a aggravé les choses! Ce gamin veut être le nouveau Spider-Man. Ah, ben il est sur la bonne voie. Ah, tiens, à ce propos, vous avez remarqué que le premier Spider-Man a totalement disparu de la circulation? C'est pas vrai! Il est quand? Les ouvertures! Je viens de penser à des répliques de ouf que j'aurais pu utiliser.
improbable. C'est fou, tous les pigeons que vous avez... C'est le bénévole du Fist qui a besoin de moi. Oh, je suis content de vous voir, Spidey. Il paraît que vous avez des problèmes avec les bons de jouets. Hé, hey, Spider-Man, je suis Sam. La dernière fois que j'ai fait l'inventaire, il manquait 200 jouets. Vous pensez qu'on les a volés? Je sais pas. Mais aujourd'hui, on doit avoir deux camions pour faire la collecte. Et d'après les traceurs GPS, il y en a trois. Il y a un truc qui cloche. Il y a clairement un intrus. Mais comment je fais pour savoir lequel? Je pense que si vous arrivez à lire leurs plaques, on saura lequel est un faux. Vous pouvez compter sur moi. Tanky, il y a trois camions du Fist qui circulent en ville et l'un d'eux est un intrus. Tu peux m'aider? Tu pourrais utiliser la caméra de ta tenue pour choper les plaques d'immatriculation et vérifier la base de données des véhicules volés. Essaie avec ce camion. Ça marche! J'ai obtenu la localisation des camions grâce au Fist. Tu devrais les voir. Récupère les plaques et je vérifie dans la base de données. T'es le meilleur. Je t'envoie les photos. Je dois récupérer ces jouets pour les enfants. Ouh, le Père Noël doit avoir une vie stressante. En voilà un. Je dois prendre la plaque en photo. Vérifie la plaque. C'est pas un camion volé. Cherche encore. Il me faut une photo nette de près. Ok, je vérifie la plaque. Dans le mille! Suis-moi ce camion! Écoute, je te demande juste de pas me faire passer pour un crétin devant toi, ok? C'est lui! Il volait des jouets! Ces gamins vont être super déçus de pas les avoir! Mais, j'ai pas eu de cadeau quand j'étais mort! C'est bien tiré! Ok. On dirait qu'ils font un genre de trafic de jouets et que leur chef est un certain Joe. Comment je vais le trouver? Si t'arrives à prendre des images de leur visage, j'utiliserai un logiciel de reconnaissance faciale et on verra ce que ça donne. Ok, on dirait que je vais devoir passer en mode camouflage si je veux pouvoir m'approcher. Chercher lancé. Attends un peu. Pas d'antécédent pour celui-là. On continue. Police. RAS pour celle-là. Nickel la photo au fait. Cherche le numéro. C'est notre homme. Suis-le.
les acheteurs. Une fois qu'ils seront ensemble, tu pourras démanteler toute l'organisation. Écoute, je vais faire simple. C'est les jouets les plus tendances de cette année. Ils vendront le double des produits Spider-Man de l'année dernière. Et comme je t'aime bien, je vais te faire un petit prix. Il y a intérêt que le prix de gros soit de 30 000. Parce que c'est ce qu'on avait convenu hier. Tu regardes pas les impôts? Le fabricant a annoncé hier soir qu'il n'arriverait pas à répondre à la demande. Du coup, notre ami Larry va être encore plus difficile à dégoter. 35 000 alors. 60. Pardon? T'imagines regarder tes gosses droit dans les yeux et leur dire qu'ils auront pas le nouveau Spider-Man parce que papa est un gros radin? T'es vraiment qu'un... Ouais, je m'en tape. Qu'est-ce que tu décides? Deux secondes, ok? T'es pas mon conseiller financier. Me presse pas. Que les jouets sont dans le camion. Touche pas à la marchandise. Cette fois, je te... Donkey, j'ai trouvé les jouets. Je fais juste un dernier coup de ménage. Génial, tu gères, mon pote. On va bien se marrer. Allez, j'embarque les jouets et je rentre chez moi. Tu peux faire tes prières. Allez, remuez-vous, tas de larmes! C'est mort! T'es nul, Spider-Man! Si, venez m'aider! Hey Sam, j'ai retrouvé les jouets. Je vous envoie leur position. Ils sont sur les quais à Midtown et ils sont intacts. Ah, ça, c'est une super nouvelle. Je suis en route, j'arrive. Comment vous remercier, Spider-Man? Vous venez de sauver le Noël de ces gamins. Je vais m'assurer que les jouets arrivent à bon port. Je suis content de vous avoir aidé, Sam. Passez de bonnes fêtes. Ah, y a rien de mieux que démanteler un gang de voleurs de jouets et sauver Noël pour les enfants. Je m'étonne. Je ne serais pas arrivé sans toi. J'y crois pas non plus. Mes amis, je dois vous avouer que je suis déçu. Pas à cause de Jared, il fait du bon boulot. Non, je suis déçu car certains d'entre vous ont, une fois de plus, décidé de faire confiance à un type. Yeah!
prendrons plus personne en otage. Je vais devoir esquiver ces ouvriers si je veux récupérer la capsule. On enfouit les tuyaux et la semaine prochaine, faudra les déterrer. Ces abrutis de la ville ne sont pas obligés de se décider. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Simon Krieger. Responsable R&D chez Roxxon Energy. Monsieur Krieger, vous avez vanté les mérites de vos réacteurs à Nuform, dont le premier sera bientôt mis en service à Harlem. Et pourtant, vous avez des détracteurs. D'abord, Jonah, je tiens à vous dire que c'est un honneur et un plaisir d'être invité dans votre émission. Oh, vous allez me faire rougir. Et vous avez raison. Nous rencontrons de la résistance, notamment de la part de Rio Morales. Se présente au poste de conseillère municipale lors des prochaines élections. Et j'ai beaucoup de respect pour Madame Morales. C'est quelqu'un de très intelligent et un modèle pour toutes les jeunes femmes. Mais je suis convaincu qu'elle se trompe de cible. Nos réacteurs à Nuform vont avoir un impact bénéfique sur cette ville et sur tous ses habitants. Et malheureusement, certaines personnes ont du mal à accepter le changement. Laissez-moi vous donner un petit conseil d'un homme accompli. Vous savez ce que je réponds à mes détracteurs ? Allez donc torcher le f*** d'une vache ! Je dois avouer que j'admire votre franc-parler. Vous n'hésitez pas à risquer une amende pour vous faire entendre. Hey Ganky, il faut que je t'avoue un truc. Tu t'es fait mort par une araignée et depuis t'as des super pouvoirs ? Non, c'est pas... Enfin, oui, mais... Bon, pendant que tu faisais la grasse mat, disons que j'ai un peu joué à Spinonagon. La build que je t'ai envoyée au printemps dernier, ou... La version qui est sur ton ordi. Non, celle-là est pas prête. C'est un bordel complet. Moi, je l'ai trouvé trop. J'ai adoré le moment avec les Dodeka et Dreklaté. T'as atteint le troisième niveau ? Ouais. Pourquoi ? J'ai battu ton meilleur score ? Non, ça devrait pas être possible. J'ai supprimé ce niveau parce qu'il faisait cracher le jeu. Oh. Faut que j'aille tester des trucs. À plus. Génial. On s'est toujours demandé de quoi était fait le marteau de Thor et ce genre de truc. Et on inventait nos propres éléments pour l'expliquer. Finn trouvait toujours les meilleurs noms. Vous laisserez pas m'arrêter. Vous laissez filer cette voiture.
fait une erreur involontaire. C'est pour ça que vous prêtez comme être sur ce crime. J'espère qu'il en reste plus beaucoup des évadés en cavale. L'Underground cache quelque chose ici. Un autre crime, une vente d'armes. Je suis sûr que ça me sera utile. Faut que je vous raconte. Je viens d'en apprendre une bien bonne. Ce détraqué de Spider-Man a encore frappé. Et cette fois, il est impliqué dans un vol. Un vol de jouets pour enfants. Donc, imaginez crime plus affreux. Eh bien, la réponse est oui. Et devinez ce qu'on a retrouvé parmi les jouets volés. Des figurines de Spider-Man. Alors, non seulement ils volent les enfants, mais en plus, ils les forcent à jouer avec des jouets complètement nuls. Des toupets, je vous jure. En réaction, l'équipe d'État de Fait va donc se lancer dans une nouvelle aventure en commercialisant des figurines à mon effigie à moi, chez Jonah Jameson. Ha ! J'ai justement un prototype sous les yeux. Et laissez-moi vous dire que c'est véritablement une petite merveille. Ouais, ça c'est utile. Spider-Man, mon rançon, fermez-le ! Oh, on va carrément alors ? Voilà le dernier. C'est triste de la voir comme ça. Je devrais trouver un moyen discret d'entrer. Vaut mieux pas attirer l'attention. Ohé ! Oh, bonjour la poussière. Ça doit faire longtemps qu'il n'y a plus personne. Et moi, on a passé tout un été à aider Rick à retaper de vieilles guitares. Il savait tout réparer. Trois générations de Mason ont tenu cette boutique. Rick a failli la vendre quand leurs parents sont morts.
Je crois que c'est Finn qui l'a convaincu de la garder. J'adorais jouer à cache-cache avec Finn dans cette boutique. On avait un monde rien qu'à nous. Des livres de Rick de l'ESU. Il suivait des cours du soir pour pouvoir s'occuper de la boutique. Il bossait comme un dingue. Tiens, quelqu'un a laissé allumer ? Un pass Roxxon pour Ea Sterling. C'est Finn sur la photo. L'équipe qui a créé le Nuform est tombée malade. Et Rick était... Non, il dirigeait le projet. Des espèces de Médoc. Du GCSF pour soigner des lésions de la moelle osseuse. C'était pour qui ? Rien n'a servi depuis au moins 6 mois ici. Il doit y avoir d'autres affaires cachées. Je me souvenais pas qu'il y avait des briques ici. Ok, ça c'est une pièce secrète. Finn a dû concevoir tout le matos de l'Underground. C'est curieux, on se retrouve tous les deux à porter des masques. C'est une vidéo qui date de 6 mois. Je fais un test de transfert. Mon équipe tombe malade. Mais Krieger refuse d'admettre que c'est Nuform. On doit agir ce soir. Attends. T'es sûr qu'on est prêt ? On n'a pas le choix. Ils ont commencé à Harlem aujourd'hui. Plus tôt que prévu. Empoisonner la ville pour faire du fric. Ils ont encore réduit les coûts. Et ils ignorent les rapports de sécurité. Je les laisserai plus corrompre mon travail, Finn. Ok. On neutralise le noyau. Puis on efface toutes les données. T'es sûr qu'après, ils pourront plus en produire ? C'est sûr. Ouais, tant qu'on détruit aussi les réserves de Jersey. Et sans moi, ils n'auront aucune idée de comment fonctionne le Nuform. Le projet sera enterré. Je vais nous filmer. Si ça tourne mal, les vidéos iront direct au Bugle. Super. Prête à sauver New York ? Prête. Il y a une deuxième vidéo. Et merde ! Je peux rien transférer. Mon portable doit être cassé. Tout ce qu'on a fait ce soir ne sera pas en vain. Je te le promets, Rick. Ils ont essayé de stopper le projet Nuform. Mais ça a mal tourné.
La dernière position connue de son portable. Je peux le retrouver. Ok, juste pour la suite. Allez, allez. Disparais, disparais. Allez. Il est ici. Ne laissez pas s'enfuir. Il peut se camoufler. Quand j'ai disparu d'un coup, ça les a fait flipper. Je peux pas les surprendre s'ils sont pas calmés. J'ai dû déclencher une sorte d'alarme silencieuse. J'arrive à retrouver le portable de Finn, je pourrais peut-être découvrir ce qui est arrivé à Rick. Et pourquoi elle est devenue Tinkerer. Ah, j'ai une adresse. Je devrais appeler Ganty et le tenir au courant. Alors, t'as trouvé quelque chose dans l'atelier de Finn? Ouais, je sais pourquoi elle fait tout ça. Quelque chose est arrivé à son frère. Un coup de grave. Oh non. Rick travaillait chez Roxxon. Il dirigeait les recherches sur l'uniforme. Wow. Apparemment, l'uniforme l'a rendu malade. Simon Krieger n'arrête pas de dire que c'est sans danger. Il ment. Finn et son frère ont voulu saboter le réacteur prototype pour pas que le projet voie le jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas encore. Finn a tout enregistré sur son téléphone, mais elle l'a perdu dans le labo. Je pars le récupérer. Écoute, je bouge pas. Appelle-moi si t'as besoin d'aide. Ça roule. Des pièces high-tech. Cool. C'est vraiment le plus beau moment de l'année.